Bonjour. Aujourd'hui, l'anglais Saint-Esprit. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Un parieur anglo-saxon a gagné 100 000 dollars pour s'être fait poser des implants mammaires durant une année. Finalement, il s'est habitué et ne les a pas retirés. Alors, pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant Jean-Marie Smicard. Bonjour Jean-Marie, où êtes-vous ? Bonjour le gars. Ah ben là, je suis à... Il y a de la grognasse qui s'agite, City, tu vois. Et je peux te dire qu'il y a un monde là-dedans, dis donc, les gars. Hein. Ah ben oui, alors bon, pour répondre à ton appel, mon Pierre-Yves, je te confirme ton info. Hein. Ben, le mec, pour se faire de la thune, il s'est scotché deux Robert sur le balcon. Et je peux te dire que ça lui a fait bouillir le slip, hein, au gars. Hein. Ben, il se regardait dans la glace et tout de suite, il avait la bûche dans la cheminée, tu vois. En tous les cas, je sais pas s'il est marié, l'obsédé du Nibar, là. Mais alors moi, je serais sa belette, je me ferais des soucis pour ma collection de lingerie fine. Eh bien, hein. Merci Jean-Marie de nous avoir éclairé sur cette info et de l'avoir validée. Ben, y a pas de problème, hein, mon chéri. Hein. Ben, dis-moi, toi, t'aimerais pas te faire installer un châssis de 110 comme ça sur le poitrail ? Ah non, Jean-Marie, hein, pas vraiment. Ah ouais, d'accord, ouais. Ben, t'es comme une départementale, quoi. Hein. T'es limité à 90. Oh ben oui, alors. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.